Alors, pour finir ici, on a utilisé Postman, c'est pas très terrible comme truc. Il faut savoir qu'avec avec Nest, eh bien, on pouvait utiliser Swagger. Et donc, alors, Swagger, c'est où? Ici, dans Recipe, vous avez ici OpenAPI, Swagger. Et donc, on peut l'intégrer de manière très facile, hein, vraiment, vraiment très facile. Donc, npm install nest.js Swagger. Donc, on va l'installer. Npm install arrobas nest.js/swagger. Voilà. Donc, ça va nous installer Swagger. Et donc, pour utiliser Swagger, on vous dit que tout simplement, il faut aller vers le fichier de bootstrapping main.js, y ajouter. Donc, alors je vais faire du copier-coller, s'il vous plaît. Hein. Donc, après, donc je copie ça. Oui, ici, c'est dans main.js. Donc, fichier main.js. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai déplacé quelque chose. Ah, ça marche pas. Je pense que c'est le dossier test que j'ai déplacé, on s'en fout. Et donc ici, main.ts. Et donc voilà, CTRL-V. Alors bien sûr, maintenant, il faudrait qu'on importe. Là, c'est installé. Il faudrait qu'on importe ça. Il ne connaît pas. Et donc, puisqu'il ne connaît pas, donc on va lui donner un peu valider. Import. Et donc, pour l'aider, vous faites des choses comme ça, from. Et donc, moi, je sais d'où je vais importer. C'est le nom du module, c'est Nest.js Swagger, parce qu'on vient de l'installer, le nom du module. Et à partir de maintenant, il va reconnaître donc les différentes. Alors, ici, bien sûr, notre application, ce n'est pas la gestion des chats. Hein. C'est, on va aller dire, alors quoi? Donc, blog app. Et donc, alors. Ah oui, somme. Blog API. Bon, description, vous pouvez ajouter la version ici. Et donc, ici, c'est. Donc, on va ajouter news. Et puis, Swagger module. Et voilà. Alors, ici, donc, bien sûr, il faut donner le path pour accéder à Swagger module. Et à partir de maintenant, il faudrait redémarrer notre monitor. Donc j'arrête, je restart. Et donc on peut y aller ici. Localhost. Alors tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, ça marche toujours. Hein? Et maintenant, on va ajouter un autre path ici qui est API. Il n'a pas trouvé. Alors il n'est pas ajouté. Ah oui, donc il y a quelque chose à enregistrer. Alors, probablement, c'est ce fichier. Donc, alors, j'enregistre. Voilà, Swagger. Et donc, toutes les méthodes qu'on a créées tout à l'heure, on va pouvoir y accéder directement d'ici. Je pouvais commencer par get et donc ici tryout, execute. Et là, il va me retourner les différents trucs. D'accord? Alors, bien sûr, ici, il ne me retourne pas les tags. Mais c'est parce que ici, j'utilise la méthode get. Vous vous souvenez là, c'est get all. Et donc, si on veut qu'il nous retourne tout, oui, donc les relations. Voilà, vous avez pigé. Si je lui dis get one. Alors, si je veux lui dire get one, donc ici get one, c'est ici. Alors, il faut ici, alors ça, c'est pas get, c'est post. Get one, c'est ici. Ah, il me dit ici, no paramètres. Swagger ne reconnaît pas ici le paramètre. Et donc, si je fais ici tryout, je ne peux pas envoyer de paramètres. Alors, pour ça, donc pour lui dire que ici, ça c'est un paramètre, eh bien, au niveau de mon contrôleur, parce que Swagger, le module qu'on vient d'installer, node nest.js slash Swagger, eh bien, il va aller parcourir toutes les annotations qu'on a ici.
et les contrôles, enfin, toutes les actions. Et c'est avec ça qu'il nous a créé la vue qu'on est en train de voir ici. Maintenant, il n'a pas compris que ça, c'est, il faudrait qu'on ajoute le paramètre ici. On va lui dire de manière explicite au niveau de la méthode. Alors, au niveau de la méthode, c'est ici, get one, ici. Et ici, alors, donc, c'est API, et je pense, implicit parameter, param. Et on lui dit quel est le nom de notre paramètre. C'est ici, article id. Que c'est ça. Ouais. Et je pense que ici, ça doit être probablement. Oh. Alors, je ne sais pas, donc je vérifie ici. Ah, et donc il faut passer un objet, name. Il faut passer un objet. Vous voyez ici, donc, name. Et donc, je vais couper ça. Et créer mon objet. Et donc, name, deux points. Voilà. Donc là, il est content. Et après, alors, bien sûr, pour notre API, donc on peut aussi ajouter alors, API operation. Donc ici, donc notre operation, ici, on va donner aussi un objet. Et dans notre objet, vous voyez ici la description, donc title. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est afficher un article. Est-ce que c'est ça? On est dans afficher un article. Voilà, contrôle S, etc. Et donc, alors ici, si je reviens, bien sûr, il faut attendre que ça démarre, ça redémarre. Voilà. Et donc, ici, j'actualise. Et donc, si je vais vers get ici, vous voyez que maintenant, il reconnaît un paramètre et c'est un paramètre de path, de chemin. Et donc ici, si je fais try out, il me donne le paramètre. Et là, je lui dis, je veux l'article numéro 3. Et là, j'exécute. Et il va m'afficher l'article numéro 3. D'accord? On peut refactoriser un peu notre truc ici, juste pour que vous voyez un peu comment ajouter les modules, les paramètres d'URL. Donc les paramètres d'URL ici, get all, c'est pas très bien get all ici. On va essayer de récupérer des paramètres d'URL pour faire des requêtes limit et offset, avec offset. Limiter le. Parce que si vous avez 1000 articles, ben, il ne faut pas les afficher tous. Voilà, on va mettre des conditions, vous allez voir comment on fait ça. Donc ici, d'abord, on va récupérer ici la query. Alors la query, c'est la query string. Et donc, alors la query string, bon, je peux récupérer ça dans une variable que je peux appeler query, tout simplement. D'accord? Mais moi, dans la query string, moi, ce qui m'intéresse, ce sont deux éléments. C'est la limite. Limite. Et donc, ici, je vais mettre ici ça, limite. Limite. Virgule. Virgule. Et après, donc, je répète encore une fois, query. Et là, on va mettre offset. Et ici, c'est offset. Et on peut être très précis ici. Alors, par défaut, la limite, ça va être 10. Si ce paramètre n'est pas envoyé, c'est la valeur 10 qui va être, d'accord, qui va être utilisée. Et pour offset, est-ce qu'on va comment, par où on va commencer à extraire les données? Eh bien, par défaut, on va commencer à la valeur 0. D'accord? Alors maintenant, bien sûr, ici, là, je fais ici get article. Et donc ici, get article, ben, il faudrait que j'envoie ici limite. Enfin, il faut envoyer ça au service. D'accord? J'envoie limite et j'envoie offset. Et bien sûr, il faudrait qu'on modifie ici get article. Je l'ai appelé get article. Hein, c'est get article, mais bon, on s'en fout. D'accord? Et ici, donc, on va ajouter les paramètres. Donc, j'ai les deux paramètres limite, qui est de type number, vous êtes d'accord? Et offset, qui est de type number. OK? Et alors au niveau ici, de notre requête ici, maintenant on va développer ça. Alors on a demandé ici, donc ça c'est les options de notre requête. Et donc ici, j'ai mis les relations. J'affiche, je récupère les relations.
Mais on peut aussi lui dire, pour offset, ici on utilise le mot-clé skip, et donc ici c'est offset, la valeur c'est offset. Et puis, pour lui dire combien, la limite, c'est ici take. Take de point, et donc ici c'est limite. Et là, ça va lui permettre de créer la requête SQL select from article, d'accord, limite. Et donc, il faudrait donner donc la limite des enregistrements à retourner. Donc voilà, donc ici, donc si j'enregistre ça, et on va essayer surtout de voir comment on peut faire ça avec Swagger. Donc ici, je reviens à mon contrôleur. Et au niveau de mon contrôleur ici, il faudrait alors, on a récupéré ici les paramètres, mais il faudrait qu'on dise à Swagger que ça, c'est des paramètres du URL. Et donc, comme j'ai fait tout à l'heure ici, API implicit param, eh bien ici, ça va être API implicit query. Et donc ici, j'ai deux queries. Alors, on a passé tout à l'heure un objet, c'était name. Name de point. Et donc ici, limit. Et je fais pareil. Et donc ici, c'est offset. Et j'enregistre. Alors ça va être intéressant du moment que ici, quand je vais faire la requête ici, quand on va faire la requête au niveau, alors c'était où? C'était ici. Oui, que j'ai maintenant deux paramètres. Et mes deux paramètres ici, donc je fais ici tryout. Alors donc ici, je peux donner des valeurs. Normalement, si je ne donne pas de valeur, il doit me retourner tous les... Et là, il me met required. Il veut pas... On lui a dit valeur par défaut, c'est 10. Bon, allez, donc on va lui donner des valeurs. Offset 0, 4. Ah, donc, il y a un truc donc, pour lui dire que... Donc là, vous voyez ici, ça c'est le premier. Je vais dire offset pas 0. Je vais lui dire offset. Si je fais 2, théoriquement, ça ne va rien retourner. Vous voyez ici. Si je fais offset 1, eh bien, ça va retourner un seul. Vous voyez ici, un seul. Et si je lui fais offset, par exemple, 0 et limite 1, eh bien, il va me retourner un seul. Et c'est le premier. D'accord? Voilà, donc ici on peut. Mais ici, donc il doit y avoir une méthode pour lui dire que ça, c'est pas required parce que moi j'ai des valeurs par défaut. Et voilà, donc on peut tester tout, donc on peut faire pour tout ici. Alors chaque fois que vous avez un paramètre du URL ici, il faut mettre ici implicit. Alors je vais pas le faire. Alors, implicit. Donc voilà pour le Swagger.